Tous les thèmes qui ont été développés ici par les gestionnaires de l'AS, par moi-même, les gestionnaires de AIBD, le SECNA, ANASIM, nous permettra vraiment d'être en phase dans le but de valoriser, mais également d'être beaucoup plus résilient pour le développement de nos aéroports. Donc, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, la mise en place de cet aéroport Ousmane Mbassey Kindiaye va créer des opportunités. Donc, de par sa vision, son excellence, le président de la République, Macky Sall, a voulu réhabiliter les aéroports régionaux dans le but de désenclaver les régions. Donc, aujourd'hui, Saint-Louis étant une ville d'abord touristique, mais va devenir une ville économique avec l'exploitation du pétrole et du gaz. Donc, raison pour laquelle cet aéroport va constituer un poumon économique pour le développement en général du Sénégal, mais particulièrement de Saint-Louis. L'exploitation d'un aéroport et l'ouverture d'un aéroport requiert d'abord certaines normes. Donc à partir de demain, on va ouvrir d'abord pour des vols domestiques parce que l'aéroport est en phase de certification. On a déjà eu l'homologation. Donc demain, à partir de demain, il y aura des vols Air Sénégal et de Transair qui vont commencer à desservir de Dakar à Saint-Louis. Donc pour cela, nous, en tant que gestionnaire, nous allons continuer à faire des actions commerciales envers des compagnies aériennes pour nous permettre vraiment d'avoir des vols internationaux qui vont desservir ici à Saint-Louis. Félicitations pour le gouvernement du Sénégal et pour Saint-Louis, pour cette infrastructure extraordinaire. En fait, il faut savoir qu'un aéroport, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une villa. Un aéroport, c'est un ensemble très, très complexe où on a, tout à l'heure, vous avez vu dans le panel, il y a la sûreté, il y a la sécurité, il y a l'infrastructure, il y a tout. C'est un bâtiment, c'est un ensemble très, très complexe et ce n'est pas facile à réaliser, à achever et à mettre en exploitation. Mais on l'a fait et c'est un acquis. C'est un acquis extraordinaire parce que c'est la base du développement futur du tourisme. On ne peut pas ramener des touristes ici en marchant à pied. C'est très, très fatigant. On ne peut pas les ramener par route, c'est très long. Alors il nous faut un aéroport. L'aéroport, c'est la base du développement touristique. Demain, il y aura des compagnies aériennes qui vont venir. Parce que s'il n'y a pas d'aéroport qui marche, qui est en bon état, qui assure la sûreté, la sécurité, on ne peut pas attirer des compagnies aériennes et aussi des touristes.